Bonjour à vous! Pourquoi j'ai eu plein de toutes espèces de petits surnoms? Ça a commencé par mes petits canards, mes petits calamars, mais j'aimais bien l'idée des petits calamars. Je pense. Je pense que c'est quelque chose qui me reste. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez bien la semaine. J'espère que vous avez du bonheur plein les dents, plein les yeux, plein les cheveux, que vous vous mouchez avec s'il le faut. Ah tiens, il faudrait que je vous fasse une petite photo de mon soleil là-haut là. J'avais trouvé sur Redbubble, j'adore Redbubble, si vous ne connaissez pas le site Redbubble, allez voir. Il y a plein de posters, il y a plein d'artistes en fait. Et donc là c'est un dessin d'un soleil qui est en position de réception, les yeux fermés, tout content. Je pense qu'il lévite, hein. Il est en lévitation. Bref, je viens de voir ça et j'espère que vous l'avez aussi dans la tête. Allons voir, messieurs, dames, les énergies pour ce mardi 27. De bons contacts et des idées. Oh, si vous n'y avez pas... Alors, parce que j'ai fait quand même... Je sais pas ce qui... Bah, Magali reprend du début. Dans le tirage du dimanche, de cette semaine du 26, justement, tout à la fin, pour ceux qui ont écouté, mais bon, je vais pas faire la radine. Pour... On a trois tirages suspendus, et je l'ai dit à la fin. Donc, je vous le répète aujourd'hui, nous avons trois tirages suspendus. Si vous voulez participer, c'est sur le tirage du dimanche, de la semaine du 26. Pas sur celui-ci, mais je préfère le redire en début de tirage, parce que sinon, ça fait un peu... Ah bon, si vous écoutez pas jusqu'à la fin, j'en mets quand même 20 minutes de conseils. Alors, allons voir les énergies du 27. De bons contacts, on disait, quelqu'un peut être un peu irritable dans la soirée. Et les émotions sont un peu... Un peu comme ça, on se mardi, mais on a l'impression que c'est tard, donc bon, si c'est tard, on va se coucher. Une petite tasse de thé. Magali, sa petite tasse de thé. Petite tasse de thé, tiens d'ailleurs. Et puis, zou, allons voir les énergies pour ce mardi 27. J'espère que vous avez la pêche. Merci à ceux qui commencent à utiliser le site. Les extensions, on les achète par le site et ça marche. Bon, ça marche. La dernière fois, j'ai mis une extension. Je suis désolée, Nathalie. J'espère que ça n'est arrivé qu'à vous. Elle faisait 4 gigas. Je l'ai mis en HD. Il ne faut pas faire ça, Magali. C'est pas possible. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme étrangeté? Oh, j'aime bien. Ça y est, on fait des tirages privés en passant par le site. Donc, n'hésitez pas. filledelunetarot.com. C'est moi. Je l'ai acheté sur daddy.com. C'est mon nom. J'arrête, allez, j'arrête. Le mardi, allons voir, comme vous voyez, j'ai la pêche. J'ai la pêche, le soleil, oui, c'est moi. Oh. Allez, Magali, concentre-toi. Des envies, quelque chose dans votre tête avec ce cavalier d'épée qui est très clair. Un objectif, voilà. Même si votre cheminement de la journée peut être complexe, il y a quelque chose dans votre tête, moi je veux ça. Ou en tout cas, je m'y dirige. Et j'ai pas peur, même pas peur. Alors, même pas peur des autres non plus. Tiens, trois de coupe à l'envers. L'impression... j'ai entendu l'impression d'être un cheveu sur la soupe. 10 de coupe. 2 de coupe à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? 8 de bâton. Pourtant, le tirage du dimanche, il est là, notre 8 de bâton. La communication. Et pourtant, confusion émotionnelle. Qu'est-ce que je veux? Nous commençons par la lune. Nous commençons par le soleil. Nous finissons par la lune. Un mardi bien étrange, messieurs, dames. C'est drôle parce que ce 3 de coupe à l'envers, la 3ème roue du carrosse, la 5ème roue du carrosse, pff, parce que 3 c'est pas assez, avoir l'impression d'être de trop et pourtant vraiment ressentir la situation comme quelque chose d'immensément positif. Et pourtant, 2 de coupe à l'envers, il y a quelque chose dans une connexion qui a du mal à s'établir. Alors on en discute, et ça je trouve ça fort, et ça je trouve ça beau, on va dire, avec ce 8 de bâton, et il y a des choses dans votre journée du mardi qui vont faire que justement vous avez la possibilité de changer votre fusil d'épaule si vous en avez envie, de discuter de ce que toi tu penses, de ce que moi je dis, de ce que d'où est-ce que ça peut nous amener. Mais c'est drôle parce qu'avec cette lune, on a quand même l'impression que vous commencez très ouvert et que vous finissez cette journée en introspection. Au final, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de tout ça? Je reste encore un peu perplexe. Waouh! Ah, waouh! On a le 10 de coupe et l'arcane tournoi à l'envers. L'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas vraiment éviter.
ou quelque chose qui fonctionne infiniment mal et superbement bien. Comme s'il y avait eu des prémices qui étaient tellement superbes avec ce 10 de coupe qu'on ne pouvait pas vraiment s'enlever ça de la tête, comme un parfum entêtant qui reste. Mais je crois que, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a un autre arôme qui rentre en jeu. Je vous ai dit qu'il me faudrait un truc où, quand je pense, ça se met directement sur l'écran. Parce que là, j'ai quelque chose qui est venu, c'est reparti aussitôt. C'est aussi ne pas vouloir dire au revoir à une idée qui n'est qu'une idée, pourtant. Qu'il y ait une possibilité, mais c'est pas complètement là. C'est pas complètement là, parce qu'il y a autre chose dedans qui est... Et je pense que c'est vous. Qui a une vie particulière, qui a une envie particulière. Alors pourquoi ce 2 de coupe à l'envers? Mais non, enfin! Voilà, c'est ça le 2 de coupe à l'envers. Mais non, enfin! Et pourtant, vous, le soleil, le 3 de coupe à l'envers, vous êtes complètement prêt à être la cinquième roue du carrosse. Mais ce faisant, c'est aussi comme si vous acceptiez qu'il y ait quelque chose qui est un mais, qui s'impose. Et je pense que vous vous demandez aussi comment rétablir l'ordre des choses. Vous voyez, le 8 de coupe, je fais une pause. Vous savez quoi? Je fais une pause. Et là, le soleil à l'envers. Parce que je pense que vous voyez quelque chose ou que vous vivez quelque chose deux fois le 10 de coupe qui n'est pas forcément... Alors, je sais pas si j'ai envie de dire à votre image ou... Comme si vous partiez en quête de quelque chose et on vous donne autre chose et cette autre chose, vous êtes là, oui, mais... Je comprends bien que ça peut avoir son importance, il n'y a pas de doute. Et que s'il faut faire un peu semblant que c'est exactement ce que je veux, pourquoi pas? Mais vu que c'est pas exactement ce que je veux, je me rends compte aussi qu'on m'a pas forcément écouté dans ce que j'ai énoncé. Ben alors, c'est drôle, la communication pourtant avec... On a le 8 de bâton et le 10 de coupe, à nouveau, rétablit tout. La communication, reach out, donc aller se mettre au devant de quelqu'un pour rétablir le contact, mais aussi pour dire, ben voilà, il y a ça ici, ça là, qu'est-ce que tu penses de ça, regarde. Et ça, on va mettre tout ça, on va prendre, ça y est, c'est parti, c'est signé, c'est décidé. Mais au final, vous voyez, ça vous laisse quand même... pensif. Comme si vous connaissiez très bien la recette et qu'on vous avait fait vivre quelque chose avec une recette complètement différente et que vous preniez note ensuite de ce qui marche, de ce qui marche pas. Vous avez lâché prise de toute façon. Allons voir, écoutez cette recette, pourquoi pas? Mais au final, vous restez un peu perplexe sur le pourquoi, mais pourquoi on n'a pas utilisé ma recette alors qu'à la base je pense que c'était vraiment ce qui était prévu, ou alors au moins j'étais là pour transmettre quelque chose et puis finalement on m'a enlevé cette transmission, on m'a laissé me mettre sur la touche et prendre ensuite le chemin ou le chariot en route. Et du coup, c'est drôle, il y a une espèce de nostalgie avec cette lune. Vous vous prenez à rêver, il semblerait. Et pourtant, cette carte du 9 de denier, la carte de l'autonomie, de la réussite, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais où j'en suis. Il y a quelqu'un, je pense, qui fait des étincelles dans cette journée. Et je vais vous dire un petit secret, c'est pas vous.
Mais au final, les étincelles qui sont faites par cette personne, qui je pense vous oblige à faire volte-face et à vous dire, bah, tu sais quoi, vas-y, il n'y a pas de souci. C'est tellement plus que ce que vous estimiez que ça vous laisse bouche bée, je pense. Parce que la carte du 9 de denier, c'est vraiment la récolte, c'est vraiment la réussite, c'est vraiment... Et pourtant, on a cette tempérance à l'envers, comme s'il y avait des choses qu'on avait pressées, alors que vous, vous auriez peut-être eu besoin de plus de temps. Et pourtant, avec ce cavalier d'épée, vous savez qu'il faut que ça aille vite. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit vous qui ayez accéléré les choses. J'ai le sentiment que c'est le fait de cette déconnexion que vous vous rendez compte que là... Il faut pas y toucher. Il y a quelque chose qui est... Alors j'ai sacré qui m'est venu, mais... Un peu fort, si vous êtes au bureau, avec Elodie et Marine. Et pourtant... Tout se positionne du mieux possible. Il y a vraiment un assentiment, un... Tout le monde s'est concerté, ça fonctionne, c'est agréable, c'est épanoui émotionnellement, c'est le pied. Mais j'ai l'impression que ça vous amène quand même un vague à l'âme. Et c'est peut-être le fait de voir cette indépendance parce que vous, vous êtes intimement lié avec ce 3 de coupe à l'envers. En tant que bonne cinquième roue du carrosse. Bon, vous me raconterez parce que ça me laisse un peu perplexe. Toutes ces émotions. C'est une super journée. Il commence avec le soleil qui finit avec la lune, avec le 9 de denier, le 10 de coupe. On peut difficilement faire mieux. Mais il y a quand même une petite pointe de... Vous me raconterez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email juste dans la petite boîte en dessous. Vous pouvez aussi acheter une guidance sur filledelunetarot.com. Et bien à bientôt. Hein. Portez-vous bien. Merci beaucoup, au revoir.